Le JT des JT d'information locale de Lyon vous est présenté par l'agence de communication Subotaille. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 15 mars 2019, nous sommes en direct sur notre page Facebook de Comcom TV et c'est l'heure de notre journal d'information locale. En voici le sommaire. Sens, les caisses du Crédit Mutuel de Sens Pont-Neuf et le Crédit Mutuel de Saint-Denis-les-Sens ont lancé une exposition itinéraire autour des véhicules 100% électriques et hybrides ainsi que les vélos à assistance électrique. Comme chaque année, les quatre instituts de formation des ambulanciers, aides-soignants et auxiliaires de puériculture de Lyon, l'IFAS, organisent une journée de réflexion commune sur une thématique relative à la santé. L'ensemble du groupe scolaire Saint-Étienne de Sens a organisé sa journée porte ouverte samedi 9 mars, l'occasion de se renseigner sur les filières proposées et de visiter ces établissements privés. Sylvie Vucic, alias London Hay, prend possession du cloître de la MJC en y installant ses créations photographiques du 4 mars au 14 avril 2019. Notre équipe est allée faire un petit tour du côté de Sergine pour y découvrir son carnaval qui s'est déroulé le dimanche 10 mars sur le thème de l'Asie. Puis viendra l'heure des 5 dernières minutes avec aujourd'hui Laurent Duboucher de la société BDO, cabinet d'audit et de conseil d'expertise comptable, qui est également partenaire de Comcom TV, mais pas que. Bonjour Laurent. Bonjour Miguel. On a l'habitude, on se connaît. Ouais, on se connaît. Puisqu'on voilà une émission. Toujours un grand plaisir d'être là. Et bien voilà, et aujourd'hui on aura une thématique avec vous sur les 5 dernières minutes. La thématique sera aider une association ou un projet d'entrepreneuriat. Pourquoi? Et surtout, de quelle manière? Ça vous va? Très bien. Très bien. Et on finira avec quelques idées de sortie, la météo bien sûr de ce week-end. Allez, on démarre. En France, le secteur des transports représente plus d'un quart des émissions de gaz à effet de serre. Et le temps de trajet moyen domicile-travail s'est accru de 10 minutes en l'espace de 12 ans. Si l'on fait le calcul, sur une année, cela représente une semaine dans le transport. À l'occasion de la semaine de l'écomobilité organisée du 5 au 9 mars, différentes manifestations ont lieu un peu partout en France. Comcom TV est allé rencontrer les caisses de Crédit Mutuel de Sens Pont-Neuf et le Crédit Mutuel de Saint-Denis-les-Sens qui ont initié une exposition itinérante autour des véhicules 100% électriques hybrides ainsi que des vélos à assistance électrique. C'est un reportage de Frédéric Brûlé et Thomas Janiot. En France, le secteur des transports représente plus d'un quart des émissions de gaz à effet de serre. Et le temps de trajet moyen domicile-travail s'est accru de 10 minutes en l'espace de 12 ans. Si l'on fait le calcul sur une année, cela représente une semaine dans les transports. Banque régionale attachée à la qualité de vie en région, le Crédit Mutuel de Sens s'inscrit dans la semaine de la mobilité et poursuit ses initiatives en matière d'écologie. À l'occasion de la semaine de l'écomobilité, organisée du 5 au 9 mars dernier, les caisses du Crédit Mutuel de Sens Pont-Neuf et le Crédit Mutuel de Saint-Denis-les-Sens ont lancé une exposition itinérante autour des véhicules 100% électriques et hybrides, ainsi que des vélos à assistance électrique. On a eu l'idée avec mes collègues directeurs des agences de Crédit Mutuel enseignants et Crédit Mutuel de Sens Pont-Neuf de répondre à l'offre du groupe Crédit Mutuel sur l'écomobilité en se disant que peut-être juste un taux ou une offre commerciale n'avait pas grand intérêt et, si on ne pouvait pas essayer les véhicules. Donc on a contacté des concessions locales qui ont répondu présent. La ville de Sens et la ville de Saint-Denis-les-Sens également nous ont aidés en nous permettant de nous mettre sur ce stationnement public. Et ça nous permet de faire essayer des véhicules hybrides ou électriques à des clients ou à des prospects parce que rien ne remplace l'expérience et rien ne remplace le fait de pouvoir conduire ces véhicules. Bah, c'est de pouvoir promouvoir des véhicules
qui sont ou hybrides ou électriques, peu consommateurs d'énergie carbone. Et puis nous, si des clients sont intéressés pour l'achat de ces véhicules, on est à même de leur offrir un financement et une assurance également. Oui, ce matin, on avait un client qui pensait que le véhicule hybride ne pouvait pas rouler à plus de 50 km/h. Il est revenu de son essai et je peux vous assurer qu'il a vendu le véhicule mieux que le vendeur. Il était absolument conquis, quoi. Bah, on a pour objectif de baisser notre empreinte carbone de 30 à 35%. Donc ça passe par ces petits gestes-là. Pas beaucoup de puissance, c'est de l'électrique. Un peu plus du thermique qui vient l'aider. Quand on a besoin de toute la puissance, il y a deux moteurs en même temps. Ah, les deux en même temps, d'accord. Ouais, tout à fait. On aura des flèches qui circuleront pour nous dire en quel mode on est. Okay. Si la flèche est jaune, c'est de l'énergie électrique. La flèche rouge, c'est de l'énergie thermique, de l'essence. D'accord. Et la flèche verte, c'est quand on recharge la batterie. Les partenaires sénonais Renault, Kia, Hyundai et Toyota, ainsi que le magasin de cycles en roue libre, mettant à disposition leurs véhicules, ont permis d'informer les clients sur d'autres solutions de déplacement. Comme chaque année, chez les quatre instituts de formation des ambulanciers, aides-soignants et auxiliaires de puériculture de Lyon, l'IFAS organise une journée de réflexion commune sur une thématique relative à la santé. L'ensemble du groupe scolaire... Ah oui, d'accord, je suis en train... Voilà. Donc c'est un reportage de Frédéric Brulé-Barou. Comme chaque année, les quatre instituts de formation des ambulanciers, aides-soignants et auxiliaires de puériculture de Lyon, l'IFAS, organisent une journée de réflexion commune sur une thématique relative à la santé. Cette année, c'est les élèves qui sont accompagnés de leurs formateurs ont échangé autour de la santé au travail. Par groupe, ils ont présenté leurs travaux, suivis d'un débat avec des psychologues du travail et des infirmières. Oui, alors comme d'habitude, j'ai envie de dire, et on va dire tous les ans, on décide avec l'ensemble des collègues formatrices des quatre départements de Lyon de se réunir sur une des quatre villes, soit Tonnerre, soit Auxerre et soit Sens, sur un thème que l'on décide, on va dire, en début d'année scolaire, au mois de septembre. Et cette année, on a décidé d'investir le thème de la souffrance au travail, de la santé au travail, parce qu'on se rend compte qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un problème de santé publique. Cela touche beaucoup de professionnels qui peut-être négligent leur propre état de santé pour prendre soin des autres. Et ça nous paraît important, en amont et au sein de la formation initiale, de prendre en considération le fait de bien se porter, d'être en bonne santé pour être totalement investi sur la santé des autres. Ah oui, c'est fondamental, déjà parce que bon, ils reçoivent des connaissances et des bonnes pratiques sur comment bien se posturer, comment bien se positionner pour mobiliser des patients, mais ça paraît évident que leur carrière va être longue. Et donc investir tout de suite ces bonnes pratiques, c'est évidemment pouvoir exercer pleinement sa profession sans avoir de difficultés, on va dire, majeures, qu'il se soit à type de troubles musculo-squelettiques ou éventuellement de burn-out éventuel. Stress, risques psychosociaux, burn-out, souffrance au travail, autant de mots pour décrire les difficultés des hommes et des femmes liées à leur activité socio-professionnelle. Les acteurs du milieu de la santé n'échappent pas à cette douloureuse réalité, comme nous l'explique Daniela Georges. J'étais assistante maternelle. Avant ça, j'ai fait un bac sciences médico-sociales justement pour rester dans le soin. Donc c'était juste logique. Pour moi, c'était une suite logique de devenir aide-soignante. Plus aide-soignante qu'infirmière, parce que comme j'ai un bac, j'aurais pu faire infirmière, mais plus aide-soignante parce qu'on est plus proche des patients. On est au plus près du patient, plutôt que les infirmières qui sont plus dans les soins, les médicaments, tout ça. Je trouve que c'est important parce que ça nous rappelle les choses essentielles de notre futur métier. Ça nous fait un point aussi sur les choses importantes. Ça nous permet aussi de nous regrouper avec les autres écoles. On n'est pas seul. D'échanger avec les autres écoles aussi sur nos expériences, sur les stages, sur nos futurs métiers. Je trouve ça important, oui. Une journée de débat et d'échange que les élèves aides-soignants des quatre IFAS du département ont trouvé riche et à renouveler.
Début d'année rime souvent avec journée portes ouvertes. C'est les JPO. Ils sont souvent l'occasion unique de découvrir un lycée, un collège, une école élémentaire. L'ensemble du groupe scolaire Saint-Étienne de Sens a organisé sa journée porte ouverte samedi 9 mars. L'occasion de se renseigner sur les filières proposées et de visiter ces établissements privés. C'est un reportage de nouveau de Frédéric Brouilly. Début d'année rime souvent avec journée portes ouvertes. Ces JPO sont souvent l'occasion unique de découvrir un lycée, un collège ou une école élémentaire. L'ensemble du groupe scolaire Saint-Étienne de Sens a organisé sa journée porte ouverte samedi 9 mars. L'occasion de se renseigner sur les filières proposées et de visiter ces établissements privés. C'est le moment incontournable de l'année, celui qui donne le ton pour la rentrée prochaine. Une journée qui permet à toute l'équipe enseignante et non enseignante de guider les parents et les futurs élèves dans l'établissement et surtout de leur faire découvrir le savoir-faire et les projets. L'ensemble scolaire Saint-Étienne accueille les enfants dès leur plus jeune âge, dès la maternelle. L'école Jeanne d'Arc, elle est située sur les promenades en centre-ville de Sens. L'école Sainte-Paul, située au rond-point du colonel Matisse, est un établissement qui bouge. Rempart avec les vestiges du passé, c'est résolument vers l'avenir que se tourne l'école, avec des locaux modernes et un confort exceptionnel via des technologies de pointe. Les portes ouvertes ont pour objectif de pouvoir accueillir donc les familles qui souhaitent visiter l'établissement, qui souhaitent prendre des renseignements, des informations. Et puis, beaucoup de familles ont déjà donc inscrit leurs enfants et c'est une manière pour eux de pouvoir donc visiter l'établissement futur de leur enfant. Aujourd'hui, nous sommes sur une structure de 14 classes, donc 3 maternelles et 11 élémentaires. Le passage au collège implique un court déménagement vers la rue des Déportés et de la Résistance. On met beaucoup l'accent sur les langues avec l'apprentissage d'une deuxième langue vivante dès la 6e. On propose les classes bilingues aux élèves de 6e, donc ils ont la possibilité de prendre l'allemand et l'anglais à partir de la 6e et de le continuer jusqu'en 3e. On propose le grec aux élèves de 3e et le latin à partir de la 5e. Nous avons 19 classes en collège, 5 en 6e, 5 en 5e et 4e et 4 en 3e. Côté lycée, c'est un lieu privilégié où les jeunes vont acquérir des connaissances et des savoir-faire de plus en plus ciblés. Le lycée, de par les structures mises en place et les conditions d'accueil, s'est fixé des objectifs de formation cohérente, animés par une équipe éducative et attentive à chacun. Dans la première générale, il y avait la S, ES et L. Maintenant, ces sections sont terminées. Il y a un système de spécialités. Les élèves de seconde, à la fin de seconde, vont choisir 3 spécialités. C'est un petit peu la nouveauté. Donc, ils peuvent très bien, par exemple, prendre une spécialité mathématique et une spécialité littéraire. Chose qu'avant, ils avaient un choix où ils prenaient première L, qui était essentiellement littéraire, ou une première scientifique, qui était essentiellement scientifique. Maintenant, avec cette nouveauté, au niveau des spécialités, ils peuvent vraiment mêler, en fait, ils peuvent faire le jumelage qu'ils veulent. Voilà. On a encore une autre possibilité, c'est le DUT carrière sociale, option éducateur spécialisé. Donc c'est la syntaxe Python, mais c'est plus puissant parce qu'on peut faire du calcul formel. Déjà pour une première visite, certainement même sûr pour une inscription, parce que le lycée nous convient parfaitement par rapport à l'effectif, par rapport aussi à, par exemple, le planétarium, lui veut être faire de la physique astronomique, donc de l'astrophysique, ça tombe bien. Et puis, effectivement, les matières ont l'air d'être bien dispensées et de façon agréable. Très sympathique, très dynamique. On a appris plein de choses. On a pu rencontrer des professeurs, peut-être qu'on n'aurait peut-être pas rencontré ou osé parler si on avait été seul. Et on est bien dirigé en fonction de ce que lui voulait. Donc, on a été dans les salles correspondantes. C'était vraiment très sympathique. Ouais, c'est très bien, je voudrais bien aller l'année prochaine et ça me va complètement. Plutôt dans l'astrophysique, dans le sens des planètes et tout ce qui se passe par là. Les élèves étaient d'ailleurs associés à ce moment et très contents de participer à cette opération. Eux aussi ont une envie de mettre en avant les valeurs de leur école. Culture maintenant, avec une exposition de Sylvie Vucic, alias London Hay, qui a pris possession du cloître de la MJC à Auxerre en y installant ses créations
photographique du... Alors vous pouvez bien sûr découvrir cette exposition du 4 au 14 avril 2019. Ces compositions racontent une histoire, elles créent une atmosphère, une ambiance, un univers. Je vous propose de découvrir cet artiste dans ce portrait intitulé « Clin d'œil ». En partenariat avec la MJC d'Auxerre, Sylvie Vucic, alias London Hay, prend possession du cloître de la MJC en y installant ses créations photographiques du 4 mars au 14 avril 2019. Cette exposition intitulée Nina et Mishka évolue sans cesse depuis sa naissance en septembre 2016 avec de nouveaux clichés et de nouvelles idées, comme elle nous l'explique. Cette exposition se veut évolutive et multisensorielle. En parallèle des photos que j'expose, je propose également un programme complet. C'est la MJC qui m'a proposé justement cette résidence artistique-là l'année dernière. Et donc, simplement, ils m'ont dit que j'avais carte blanche sur la programmation. J'aime ça et puis je pense que ça fait vraiment partie de ma manière de faire. Et puis, je crois que j'ai ça dans la peau, qu'en fait, j'aime organiser les choses et puis j'aime surprendre aussi. Et j'aime mettre en lien les personnes. Alors, dans l'idée, ça reste toujours des diptyques, donc des associations de photos que j'assemble de manière complètement intuitive. Donc, elles sont prises de ci, de là, hein, au gré de mes voyages. Et c'est vrai qu'après, l'atmosphère va avoir quand même, je pense, un petit peu changé. Je pense que c'est aussi en fonction de l'humeur, hein, de l'état d'esprit du moment. Donc, ça bouge un petit peu. Il y a des corps qui apparaissent également maintenant, plus ou moins habillés. Voilà. Et il y a certaines photos aussi qui ont perdu leur diptyque pour... Enfin, leur duo plutôt que leur diptyque, pour trouver, on va dire, une petite... de la matière, de la 3D. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut bien observer l'exposition. J'ai concocté un programme avec des noms assez évocateurs, des phases. Donc là, on est dans les préliminaires. La semaine prochaine, on passe en positionnement. La suite, c'est l'orgasme. Et on finit sur les endorphines. Voilà, et donc l'expo va évoluer aussi bien visuellement avec de nouvelles photos que je vais... apporté à chaque fois, à chaque phase. La MJC, c'est le lieu de l'animation socioculturelle d'une ville. Ici, puisqu'il n'y a qu'une MJC, donc nous sommes cet outil-là au service de la ville d'Auxerre et des Auxerrois et Auxerroises qui peuvent être intéressés par toute forme d'approche de la culture et d'émancipation par l'activité de loisirs et de culture. Oui, c'est tout à fait lié à la façon dont c'est né il y a 2 ans avec un autre artiste qui, plutôt que de faire un atelier d'animation chez lui, a préféré emmener son chez lui ici et faire cet atelier dans la maison. Nous, le bénéfice qu'on en a trouvé, c'est que soudain, des gens qu'on ne connaissait pas, des gens de sa tribu, de son réseau à lui, sont venus, ont envahi la MJC. Et comme c'était exactement ce que l'on souhaitait, eh bien, nous avons décidé que le modèle, un artiste qui s'installe, qui squatte notre cloître, notre lieu, eh bien, un artiste chaque année proposerait un travail. Une grande particularité, puisque ces photos sont prises durant ses voyages. Elle les associe ensuite, ses compositions racontent une histoire. Elle crée une atmosphère, une ambiance, un univers. Sylvie cherche la nouveauté et l'originalité, en incluant humour et provocation subtile. Dans cette nouvelle exposition, on trouve désormais de la matière et des objets 3D dans ses créations. C'est important qu'il y ait des expositions, c'est la preuve que la vie culturelle foisonne. Moi déjà, à titre personnel, je suis très intéressée par la photographie et notamment le travail du numérique. Donc c'est un thème qui m'intéresse à titre personnel. Et donc je salue le travail qui a été fait parce que, comme je le disais tout à l'heure, il ne suffit pas d'avoir le matériel et la connaissance technique, encore faut-il avoir l'idée et la mener jusqu'au bout. Pendant cette résidence artistique, Sylvie vous transportera dans son univers en 4 phases avec des animations et des concerts. Une programmation qu'elle assure sera riche en rebondissements. Retrouvez toutes les animations de la résidence dans le programme disponible en téléchargeant sur le site de l'Office de tourisme d'Auxerre. Tout de suite, les 5 dernières minutes.
Laurent Duboucher, bonjour, comment ça va? Bonjour Miguel. Alors vous êtes un des associés du cabinet comptable BDO à Exactement, Sens, puis partenaire de Comcom TV, nous ne le cachons pas. Depuis deux ans ou trois Depuis ans, le début, ouais. Il me semble ouais. bien, absolument. Encore merci, je vous ai demandé de venir aujourd'hui, Laurent, d'abord pour présenter un petit peu votre cabinet, dans un premier moment, et puis ensuite, dans un deuxième temps, on parlera effectivement pourquoi aider les associations ou même des jeunes créateurs d'entreprises. Alors justement, présentez-nous un petit peu BDO. Alors BDO, c'est une histoire mondiale, hein, puisque c'est, BDO est au rang 5 des cabinets d'audit et de conseil au niveau mondial, présent dans 162 pays, 80 000 personnes, donc ça commence déjà à peser, 1600 bureaux en tout. Hein. Donc ça, c'était l'aspect monde. En France, 1400 personnes, on est dans le top 10, mais on est 7e au niveau français. On fait 142 millions d'euros de chiffre d'affaires à peu près. Et on est présent sur 45 bureaux répartis un peu partout en France. Voilà. Et puis historiquement sur Sens, puisque ça fait plus de 20 ans, plus de 20 ans qu'on est, même peut-être 30, qu'on est installé sur Sens, boulevard du Mail. D'abord, vous étiez, vous, à titre perso, à Paris, c'est ça? Puis ensuite, vous êtes venu monter ce cabinet à Sens? Non, Sens existait déjà depuis très longtemps. Et sur Sens, on est aujourd'hui à peu près 40 personnes. D'accord. Voilà. Vous êtes aussi un acteur, évidemment, de la vie sociale, des associations, entre autres. Vous en aidez beaucoup, comme nous. On peut citer d'autres. On peut citer le SOC, on peut citer... Le SOC et l'équipe de volet de Sens. L'équipe de volet, on peut... On peut citer donc Comcom TV, on a été présent sur le rugby aussi, on est présent au FC Sens. Oui. Pas que le sport, effectivement. Voilà. Pas que le sport, on est aussi présent dans des associations, je dirais, à caractère économique ou entrepreneurial, je dirais. C'est Réseau Entreprendre, Alors justement. Par exemple. Et c'est pas parce que je voudrais juste faire un parallèle avec notre taille. Hein, puisque, en effet, 80 000 personnes ou 1400 personnes en France, ça peut paraître beaucoup, mais on a toujours eu la volonté d'avoir des implantations très locales et très proches de notre tissu économique et du tissu associatif. Voilà. Très bien. Pourquoi, justement, aider des associations, comme on vient de les citer, quel est l'intérêt, ou peut-être qu'il n'y en a pas, tout simplement, participer au projet local? Parce que c'est notre vocation à la base, d'accompagner les initiatives et les talents. Donc on est toujours à la recherche d'initiatives locales. On a certes l'aspect économique qui rentre en jeu. Hein. On fait, comme je vous disais, on a 40 personnes avec nous. Donc on travaille sur 40 personnes sur Sens. Sur Sens. Oui, sur quand Sens. Même, ouais. Donc on travaille sur le tissu économique local et régional. Mais on a aussi la volonté d'accompagner le développement de la région, d'accompagner le développement du lieu où on se trouve, principalement Lyon, hein, on rayonne principalement dans Lyon. Mais l'idée, c'est pas de rester dans notre coquille et de trouver aussi des talents et d'accompagner des talents. Alors, il y a aussi, évidemment, on parle des associations, mais vous l'avez dit aussi, vous aidez aussi des jeunes entrepreneurs, comment qu'ils souhaitent, ou reprendre, ou comment vous les accompagnez, justement, ces jeunes qui viennent vous voir, ou jeunes ou moins jeunes, mais qui souhaitent ou montrer une entreprise, ou effectivement reprendre une entreprise. C'est-à-dire, on a toujours eu le désir d'accompagner ce qu'on appelle les jeunes pousses ou les start-up. C'est aussi dans notre vocation et dans nos goûts. Parce que la jeune pousse d'aujourd'hui sera éventuellement grande entreprise, la grande entreprise de demain. Hein. Mais avant d'être un grand chêne, on est d'abord un petit gland, c'est ça. On peut voir ça comme ça. Je vous remercie. Je vous en prie, Laurent. Du coup, je ne sais plus ce que oui, je voulais dire. Ben oui, j'ai fait exprès, Laurent. Non, vous disiez que vous aviez vocation d'aider ces start-up. Voilà, parce que c'est aussi notre rôle et on aime bien s'investir dans ces projets d'avenir. Alors, tout n'est pas positif, mais parce qu'il y a du déchet, entre guillemets. Alors, ça passe par le montage de prévisionnels, d'études de marché. Voilà, on reçoit les dirigeants, on travaille avec lui sur son prévisionnel, on travaille avec lui sur son business model, souvent. Hein, on essaye de les faire mûrir. Et puis, on travaille avec des partenaires économiques et financiers. On travaille beaucoup avec les banquiers, on travaille beaucoup avec la BPI. Qui est très active sur Banque d'État, c'est ça? Voilà, la Banque publique d'investissement, qui est très active sur Lyon et sur la Bourgogne.
Voilà, avec aussi des associations locales comme Initiative 89, Young Développement et autres. On peut peut-être citer un exemple de réussite, c'est Papi Happy. Ah bah Papi Happy, oui, c'est l'exemple phare, je dirais, puisque Joachim Tavares a démarré il y a 2 ans. On l'a accompagné au début sur tout ce qui était prévisionnel, recherche de financement. Et puis, il prend son envol, hein, puisque il a quitté Comcom TV pour aller. Lui, il est plutôt européen, M6 et autres. Il n'était qu'à tremplin, comme vous. Voilà. Voilà. Donc, accompagner les initiatives locales et les vocations et les talents au niveau local, on aime bien faire ça. Et mettre en lumière aussi l'économie du département, vous l'avez dit. Tout pour à fait. Cela, Comcom TV avec vous, en partenariat avec BDO, a mis en place une émission qui s'appelle Image de Pro, absolument, où chaque mois ou tous les 2 mois à peu près, on rassemble on fonctionne par thématique. On a eu le transport, on a eu le service à la personne. Le BTP. Le BTP, la communication également. Communication. Et là, prochainement, la thématique du mois prochain sera la métallurgie. Métallurgie, voilà. Mécanique générale. On va recevoir, il y a de grands acteurs sur le Sénonais et l'Auxerrois. Des grands acteurs avec des entreprises à caractère purement industriel, donc de la valeur ajoutée, et ça c'est intéressant parce que c'est une vraie valeur pour le territoire. Absolument, donc voilà, ça vous pourrez la voir, cette émission Image de Pro sur Comcom TV en direct le mois prochain. Merci beaucoup Laurent Duboucher, co-anime avec moi, c'est pour ça qu'on peut se permettre quelques familiarités. Merci Miguel. Merci beaucoup Laurent Duboucher pour BDO, et puis nous on se retrouve donc dans quelques secondes pour la météo. Voilà, tout de suite, elle a un météo. Le restaurant Les Copains d'Abord de Gron vous présente la météo de Lyon. La météo de ce week-end pour ce samedi 16 mars. Moi, je ne sais pas pour vous, mais je m'épuise à voir de l'eau et du vent. Cette semaine, il y a eu beaucoup, beaucoup de vent, Laurent, comme vous avez pu le constater. Alors, les températures. Oui, les températures pour ce samedi 16 mars, vous le constatez pour les minimales, pour le nord du département entre 9 degrés et du côté de Carré-les-Tombes 7 degrés, voilà, c'est vraiment le plus froid, ça sera dans le sud du côté de Carré-les-Tombes 8 et 8 à l'est et à l'ouest en Sillefranc et Blénaud, voilà, dans le centre pour Auxerre il y aura 9 et pour Sens qu'on ne voit pas très très bien qui est un peu plus haut, il est là, 9 degrés, j'ai tendance à zapper Sens, c'est bizarre. Alors, voilà. Et pour les maximales, bien évidemment, 14 degrés, donc il fait plus chaud. C'est des températures de saison, la pluie. On va peut-être pouvoir faire un peu de jardin ce week-end. Il y a quelques éclaircies sur l'ensemble du département. Dimanche, quel temps fait-il ? Eh bien, dimanche, c'est la même chose que samedi. Absolument, Laurent, voilà. C'est la même chose. Les températures sont un peu plus basses pour le matin, pour les minimales, entre 5 degrés et encore 4 degrés. Voilà, il va faire froid le matin au petit réveil, voilà. Et puis un peu de pluie, un peu de soleil. Et puis, si vous ne me croyez pas, n'hésitez pas à ouvrir votre fenêtre et constater le temps qu'il fait devant chez vous. Merci pour la météo. Le restaurant Les Copains d'Abord de Gron vous présente la météo de Lyon. Termine Laurent Duboucher, si vous le voulez bien, avec quelques idées de sortie pour ce week-end. Voilà, à l'abri. Vous avez vu, il y a un peu de soleil quand même. Mais ceci dit, là, je vais vous proposer quelques sorties en intérieur, effectivement, avec l'exposition Thomas Fontaine, Amer Horizon. C'est une histoire de sculpture. C'est du 2 au 24 mars 2019. Vous pouvez y aller le mercredi, le samedi et dimanche de 14h à 18h. Et c'est à l'espace culturel de Gurgi. Allez-y, c'est extraordinaire. On continue avec, cette fois-ci, si vous souhaitez aller danser, si vous aimez l'accordéon, la variété ou la musette, vous pouvez vous rendre dimanche 17 mars à partir de 14h30 à Cepo. C'est à la Belle Époque. Voilà, n'hésitez pas à y aller. Les renseignements, alors le numéro de téléphone 03 86 73 13 71 si vous souhaitez réserver et aller danser la valse, le tango et d'autres danses.
Et puis nous avons aussi un récital gesticulé de chansons françaises, ces petites cruautés et autres joies de vivre avec Gabriel Godard. Sophie Gantois-Semet, c'est dimanche 17 mars à 16h du côté de Tonnerre, c'est au conservatoire du Tonnerrois, l'entrée 10€ et 7€. Et puis pour terminer, voilà, hop là, pour terminer, je vous propose d'aller à Migennes, sous le marché couvert, une journée du greffage et de l'apiculture. C'est gratuit, n'hésitez pas à y aller, l'entrée est libre et c'est de toute la journée, voilà, à partir de 10h. Voilà, c'était quelques idées choisies par la rédaction de Comcom TV. On arrive tout droit cette fois-ci à la fin de ce JT des JT d'information locale. Merci de votre attention, on est très content de votre fidélité. Aujourd'hui, on peut aujourd'hui comptabiliser. La semaine dernière, 35 000 personnes nous ont suivis sur une semaine, uniquement sur des informations locales. Nous sommes très fiers. Voilà, de ça. Voilà, et puis merci encore BDO merci d'être Miguel. Partenaire de Comcom TV. Et puis merci. Si vous souhaitez devenir ou adhérent ou partenaire de Comcom TV, n'hésitez pas, voilà, vous tapez latéledelyon.fr sur votre moteur de recherche et on sera très content de prendre rendez-vous avec vous et vous présenter nos locaux et ainsi devenir partenaire de Comcom TV. À la réalisation, Frédéric Brûlé, assisté de Thomas Jagnot. Et puis, pour la préparation du rédactionnel et de toutes ces infos, il y avait aussi Dorine Jolivet. Bon week-end à vous, on se retrouve la semaine prochaine. Ah oui, pardon, non, avant de se quitter, évidemment, le réalisateur me dit, mais il y a le carnaval, Miguel. Mais oui, parce que l'équipe est allée la semaine dernière voir le carnaval, enfin, en tout cas, faire des images sur le carnaval de Sergine. Voilà, le carnaval de Sergine qui s'est déroulé le dimanche 10 mars, avec comme thème l'Asie. On l'avait vu en plus au tout début. Ce sont la variété des sujets à confectionner et la beauté des paysages qui a motivé ce choix par les bénévoles de l'association des jeunes de Sergine. En dehors des chars décorés, de nombreux musiciens ont assuré l'animation dans les rues, dans des styles très variés et des costumes aux couleurs chatoyantes. Pardon. Il y avait du jazz, du batucada, musique de variété et fanfare de rue. Ces musiques ont défilé entre les chars, mais aussi entre les gouttes, parce qu'il y avait un temps pas top. Un groupe d'échassiers costumés qui ont assuré l'animation auprès des grands comme des jeunes enfants, le thème obligé, une animation propre à l'Asie et donc au Nouvel An chinois. Voilà, on a fait une apparition dans les rues. Je vous laisse avec ces images. JT des JT d'information locale de Lyon vous est présenté par l'agence de communication Subotaille.